Bonsoir, mesdames et messieurs. Hello, ladies and gentlemen. Спустойте блок Le Passage. Bonasera, señoras and señoritas. Добрый вечер, дамы и господа. Je me présente. Je m'appelle Vitaly Kalashnikov. Je suis russe. En russe, en vrai. The best from the last. Vous voulez des preuves? Oui. Vous voulez que je vous fasse un clin d'œil de Moscou? Comme ça? Encore un de Poutine? Tu veux que je te montre ma Kalashnikov? Oui. Хочешь вот Каперовский, Путин, Распутин, Горбачев, Смирнов, хорошо. Братислава Бойс. Oui. Vous comprenez pas le français? Non. Ballet, speak, dance, Калинка, Калинка, Калинка моя. Est-ce que tu es célibatrice? Oui. Oui? Oui. Bon, c'était pas ça. Voilà. Si quelqu'un dans la salle a déjà touché un vrai russe, personne? Vous voulez me toucher? Une volontaire? Ah non, je peux pas. Vous, mademoiselle? Ah bon? Si. Ah, ça, ben, voilà, d'accord. Vous, mademoiselle. Bon, ben, viens okay. Ici. Touche. Alors. Ben voilà, j'ai touché. Alors, je suis d'où? Eh ben, de Paris. Non, je suis d'où? Ah, je suis d'où, putain. Merci pardon. Pour le compliment, tu mérites Russian Kiss. Tu veux Russian Kiss? D'accord. Désolé, russe, tu veux? Ferme les yeux. Ah oh, non. C'est ton petit ami? Oui. Elle oui. Peut regarder pour 3 euros. Pardon? Tu peux regarder pour 3 euros. Tu regardes pour 3 euros. Vous êtes voilà, viens, 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 j'ai besoin d'aide parce que là, je crains de finir. Non, non, moi je suis pas jaloux, mais mets-toi bien là. Tu sais, voilà. Sûr, voilà, faites votre truc ici devant tout le monde. Mais il faut quelqu'un qui se met à genoux. Ah bah, ah, pas moi. Bah, oh, c'est bah, toi. Tu as l'habitude déjà. Oui, j'ai l'habitude. Là, non, non. Tu as l'habitude de ça? Non, non, pas genoux. Allez. Ah non, quoi? Moi, c'était bisous parisien. Bon, tu es célibatrice quand même. Mais non, je suis avec Jackie. Bah. Je peux, bah oui. Bah, on ne dit pas célibatrice. Non, on dit que non. On dit, bah, on dit monitrice, directrice, agricultrice, prostitutrice. D'accord. Ouais. Bah, on ne dit pas célibatrice. C'est quoi cette langue? Et moi, je voulais parler français depuis l'âge tout petit l'âge. 10 jours. Bah, on grandit vite à Tchernobyl. Mais pas longtemps. Bah, tu peux revenir, oui. Et moi, je voulais parler français parce que c'est la langue des grands. Rambo et Verlaine, Hugo et Baudelaire, Bardot et Sarkozy, Dominique Strauss-Kahn et Clara Morgan. Vous n'êtes pas d'accord avec cette liste des grands? Hein? Non? Vous avez le stylo? Mais vous avez Le Pen. Morgan, Clara, on supprime? Ouais. Clara ou Carla? Clara. Clara, Carla, des chanteuses, il n'y en a trop. Dominique Strauss-Kahn, on supprime? Ah non! C'est moi qui prends la décision. Pardon. Brigitte Bardot, on supprime? Oui ou non, putain de merde! Non, on la met en option. J'aime les animaux. Nicolas Sarkozy, on supprime? Plus fort. Non, on le garde pour l'instant, on n'a pas le choix. À la France, c'est un grand pays. Paris, c'est un grand capital avec grande culture, littérature, architecture et le jardinage. Mais en fait, ici, tout est petit. Les petits déjeuners, les petits amis, les petits rues, les petites voitures, les petits zizi. Ouais. Tu vas à la bibliothèque du centre de Georges Pompidou, c'est un petit Robert qui va t'apprendre la langue. Tu vas à Franprix ou Monoprix, ce sont petits écoliers, petits Suisses, petits Basques, petits filous qui se cachent dans des petites étagères pour te donner les petites calories. Oui. Pour conclure, la France, c'est un grand pays avec... un petit président. Tonnerre applaudissements, le public. Et on me pose souvent la question, Monsieur Kalashnikov, qu'est-ce que vous voulez de France? Mais qu'est-ce que je veux de France? Juste mes papiers. Et voilà, la questionnaire dans la préfecture de la police pour demander la nationalité française. Vous êtes tous français? Oui. Oui, bien, tu vois. Et moi, je veux devenir français, voilà. La première question, tu es française, Manon? Oui. Oui, montre tes papiers. Bon, première question. Indiquez, s'il vous plaît, 3 sortes de fromage français. Bah, facile. Camembert, camembert président et la vache qui rit. C'est très drôle, en fait. Indiquez, s'il vous plaît, 3 plats nationaux. Mais qu'est-ce qu'on mange en France? Couscous, kebab, sushi? Citez 3 rois français. Le roi Merlin, le roi Lyon et Napoléon le roi. Écrivez une couplet de l'hymne national. Écrivez, je vais le chanter.
Ah, ah. Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table. Tous ensemble, tous ensemble. Gauche. Droite. Extrême droite. Si tu ne chantes pas dans 5 minutes, au goulag. Goulag. Bon, la dernière question. Conjuguez une phrase originale de votre choix. Mais je conjugue une phrase originale de mon choix. Je vais me faire foutre, tu vas te faire foutre, il et elle va se faire foutre. Nous allons nous faire foutre, vous allez de toute façon, ils ont de toute manière. Finito. J'ai reçu la lettre commandée avec un avis d'acquisition de réception d'imposition 24 mois après. Cher monsieur Kalachnikov, cher monsieur, elle m'appelle déjà monsieur. Cher monsieur Kalachnikov, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre de territoire de République. C'est une blague ou quoi? J'appelle mon oncle. Tonton Vladimir, tu coupes le gaz et l'électricité.